My name is Chloé. I'm from France and I have studied international hospitality management. I have enjoyed the student life, going out, meeting new people from everywhere in the world, learning, because you have to learn as well, different things according to hospitality and marketing. I really enjoy moving to Birmingham. It's completely different lifestyle from the country to the city, but I like what I like about Birmingham. It's like it's all centered. It's not too expensive, so it's still a big city, but still you can do everything by walk. So it's still good and not totally lost. Donc je m'appelle Chloé Bruyas, je viens de France, d'un petit village à côté de Lyon, et je suis arrivée en Angleterre pour étudier un master en Hospitality International Management. Ce que j'ai préféré à UCB, c'était d'être avec différentes nationalités, avec différentes cultures. J'ai beaucoup aimé aussi que l'université ait le restaurant pédagogique et propose la salle de gym, les soins esthétiques aussi. J'ai vraiment aimé ce mix de cultures, c'était hyper intéressant. Donc j'ai décidé de venir à UCB d'une façon complètement au hasard, puisque mon université en France avait un partenariat avec l'université d'UCB pour le master. Donc voilà, j'ai atterri en Angleterre à Birmingham, complètement par hasard. J'apprécie beaucoup vivre à Birmingham parce que c'est une ville très cosmopolite, qui est une grande ville mais tout est centré, donc on peut tout faire à pied, et qui est aussi une ville très vivante, qui propose plein d'activités et où on peut rencontrer des gens de nationalités différentes. Le coût de la vie à Birmingham, c'est à peu près le même que ce que je faisais à Lyon, ce que j'avais à Lyon. Par contre, l'immobilier est beaucoup plus cher et c'est très difficile de trouver un logement seul. C'est bien d'ailleurs d'être dans une maison à partager. Donc les supports que j'ai utilisés quand je suis arrivée à UCB, par le biais de l'université, j'ai trouvé le logement puisque j'étais à la résidence universitaire. Et on avait aussi... non, je crois que c'est tout. Il n'y a que le logement. Donc maintenant, j'habite pour le moment à Edgbaston. Donc à côté du réservoir, mais quand j'étudiais à UCB, j'habitais à la résidence universitaire, Cambrian Hall, juste à 5 minutes à pied de l'université. Ce qui est intéressant avec UCB, c'est qu'ils aident beaucoup les étudiants étrangers, notamment en regardant et en corrigeant les assignments et les dissertations, tous les travaux, au préalable avec le checking center, ou si jamais vous êtes un peu vous avez un peu des lacunes en anglais, vous pouvez aussi avoir des cours supplémentaires pour justement améliorer votre niveau d'anglais, ou des cours qui vous intéressent, des langues étrangères ou des choses comme ça, ce qui était hyper bien.